Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 3. What? Qu'est-ce qui est sur le point de m'attaquer en fait? Qu'est-ce qui est sur le point de m'attaquer? Une Bramine? Bramine folle. Très bizarre. Très bizarre, ça doit être en rapport avec la vache folle j'imagine. Donc nous allons nous au nord normalement. Hop, on y va chers amis. Donc on recherche un bâtiment avec dedans une poupée. Vivement Fallout 4 quand même, hein. Je le dis et je le répète chers amis. Ce jeu me fait vraiment rêver. Il a essayé de dire quelque chose, j'ai pas compris ce que c'était non plus. Hop là. Voilà. Ça c'est fait. Tête qui roule, la masse pas mousse. Cependant. Manteau de régulateur. Chapeau à large bord. Voilà, je me retrouve. Alors. Voilà. Bon, je vois un point là-bas. On va se diriger vers ce point donc. Non. Je l'ai raté, je l'avoue. Hop, voilà. Pourquoi prudence? Pourquoi prudence? Étrange. Je n'aime pas du tout ça quand c'est marqué étrange, quand c'est marqué prudence. Bon, où sommes-nous? Ah. Voilà. Quel est le nom de ce bâtiment? Chrysalis Building, c'est pas là qu'on va. Un raider. Voilà. La question est, était-il seul? Apparemment non. Il a une bonne vue le machin. Voilà. Double headshot. Là-bas, il y a eu un tir de Fat Man. Il y a un mec qui a tiré au Fat Man. Monsieur Gutsy. Il y a eu un tir de Fat Man malgré tout, hein. Je vais pas. Ou alors c'était la voiture qui a pété? Peut-être. C'est peut-être plus ça, oui.
Bon, on va aller par là. Je regarde mon radar quand même, enfin ma carte. Ah, on devrait pas en être trop loin pourtant. Je ne sais plus. Je ne sais pas. Je vais pas rester planté là. Je vais pas me mettre à chanter. Oh, tu es une belle arme, mon pote. Quel dommage. Je n'aurais pas eu l'occasion de lui tirer dessus. Encore un truc d'iBot là. What? Je crois qu'ils m'ont vu. Raté. 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 Ah non, touché. Touché une fois. Oula. Il semblerait qu'on continue à me tirer dessus. Oh, vous avez vu la grenade? La voilà. 0% de chance de toucher, dommage. Par contre... Toi, j'ai une chance de toucher. Oh, boum! Mais c'est que vous êtes nombreux. Tu veux du corps à corps? Je suis mauvais. Non, tu te tais, toi, tu me gonfles. Il m'a fait trop de dégâts déjà. Pan! Voilà. Donc je vous rappelle que le SVAV aura changé beaucoup, dans beaucoup changé, même dans comment, dans Fallout 4. En l'occurrence, on partira sur sur. Bonjour madame. Je prends votre fusil de chasse, par contre. Merci. Ah. Je suis trop lourd, semble-t-il. Il aura donc beaucoup changé vis-à-vis du simple principe que non seulement il n'arrêtera plus le temps, mais en plus de tout ça, le côté critique l'ajout de critique qu'il procure, quant à lui, ne sera pas sera différent. C'est-à-dire qu'il n'ajoutera pas un critique, il ajoutera une jauge de critique qui sera utilisable à tout instant. Je sais pas qui me tire dessus, c'est là qu'est le plus gros problème. Bonjour madame. Voilà. Peut-être qu'il roule la masse pamousse. Putain, il m'a foutu les boules, il était pas là il y a 3 secondes. Il me fait hyper mal en plus. Voilà, c'est lui qui avait le sniper, d'accord. Moi, pourquoi j'ai eu aussi mal? Aide. Alors, heureusement, avant de reprendre l'épisode, j'ai pris quelques purifiés chez. Chez nous, à la maison, simplement. Alors. Non, j'aurais besoin de ça. De ça, de ça, de ça, de ça,
De ça et de ça. De ça, de ça. Ah mince, j'ai pris, je crois que j'ai pris une armure en trop ou un truc en trop. Bon bah tant pis. Oh putain, mais ils me foutent les boules à me... m'arriver devant le nez comme ça. Pas traité à cette distance là, remarque. Bon, assez. Il suffit. Alors, où est-ce que je suis? Ah! Alors, je sais que normalement c'est pas trop trop loin, mais je ne tombe pas dessus. Alors. Voilà. Ok. Ah bah on y est. Bah. Ce serait là. Ok, ils sont tous là. Bam. Bonjour madame. Vous avez une tête de poisson, vous savez ça madame? Blam! Voilà. Bon, normalement c'est bon. Donc montez sur les gravats pour monter sur l'étage supérieur. Effectivement. Pas besoin. Devrait être posé quelque part sur un bureau. Mais bien sûr. Ça doit être là-bas en fait. Ça doit être le bâtiment juste à côté. Ouais, c'est ça. Je vois des portes. Voilà. Ça doit être là-dedans. Voilà. Il est arrivé une couille. Aussi il est arrivé une couille. Bon par contre au niveau régène on n'est pas top. Bonjour monsieur. Ils font chier à me surprendre comme ça, avant il parlait tout le temps. Maintenant il ne parle plus. Oh il a fermé les yeux juste avant de mourir le pauvre. Alors, système de contrôle des tourelles. Voilà ça. Ah, il n'y a pas de ALTHOUH. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Par contre, on est toujours en mode prudence. Ce qui est casse-couille. Faut l'admettre. Oh, des munitions. Un conducteur. Non, c'est pas ça qu'il me faudrait, moi. Pas boire là-dedans. Ok. Tube chirurgical, boîte à outils. Attendez, non, col miracle. Pas intéressant. On va se régénérer un petit coup. Hop, voilà. Marche pas. Bizarre. Oula, j'ai entendu quelqu'un parler. J'ai entendu quelqu'un parler. Donc on prend le jet. Alors là, on a des grenades frag.
Col miracle, c'est pas ce que je voulais. Grenade frag. Clou d'oreille, réservoir de moto. Bonjour. Boum. Au revoir. Putain. Je l'ai vu mais j'ai complètement bugué. Désolé pour votre corps madame. La chirurgie esthétique ça existe. Tuyau de plomb non. Poche de sang oui. Faudra que j'aille en redonner d'ailleurs. Faudra que j'aille en redonner. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est revenu là du coup? Non. Oh, c'est mignon, il s'est couché. Du coup, s'il s'est couché, on va lui envoyer un petit cadeau. Parce que moi, je fais les choses bien, chers amis. Voilà. La la la. Bonjour. Ratez mon coup, on va tenter une deuxième fois. Vous êtes sérieux là? Non, t'es sérieux? Voilà. Alors le monsieur qui survit à tout. Voilà, il survit plus. En tout cas plus des masses. Pas prendre son lance-flamme. Il y avait quelqu'un dans le... Il y avait des gens dans le congélo. T'es au courant? Des derniers à la plaque de pression. D'accord, c'était ça, un shotgun. Radix, je prends. Bouteille de soda vide, je ne prends pas par contre. Non. Manta, je prends. Assemblage de manomètre à vapeur, non. Non, pas de musique. Surtout pas. Alors, où est-ce que je me suis planté? Ah, je me suis trop planté de bureau, chers amis. Là on est dans les West. Nous il faudrait qu'on aille dans les Est. De l'autre côté. Ils sont juste là. Il y avait un moyen de passer peut-être. Bon c'est pas grave. Hop les. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom, on peut retrouver le lien dans la main de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et hop, on se remet, on se prépare. Et hop.